Restitution des îles Éparses, réaction de la plateforme pour les îles Éparses. La plateforme pour les îles Éparses soutient les actions de l'État dans la lutte pour la restitution sans condition des îles Éparses à Madagascar. Dans une déclaration commune d'aujourd'hui, les membres louent les efforts et l'audace du président de la République, le seul dirigeant à avoir tenu tête au gouvernement français pour réclamer cette restitution. Nous devons être capables de sortir un décret faisant de ces îles Éparses la 23e région de Madagascar, a-t-elle déclaré. Je cite, aucun obstacle ne devrait s'opposer à la sortie de ce décret, car historiquement et géographiquement, ces îles appartiennent à Madagascar. Les lois internationales nous donnent également raison. La plateforme sollicite fortement l'appui des parlementaires dans cette lutte pour la restitution des îles Éparses à Madagascar. La France a pris une décision unilatérale de créer une réserve naturelle nationale sur les îles Glorieuses. Nous devons riposter de la même manière, ont annoncé Arlette Ramarsson et consorts. La France a pris une initiative qui tend à rompre toute négociation, a conclu la plateforme pour les îles Éparses.